On va parler de l'industrie du porc qui en arrache avec Sylvain Charlebois, évidemment spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Salut Sylvain. Bonjour. Alors, on a appris cette semaine que, bon, c'est officiel, c'est quoi? C'est le 10 novembre prochain, la fermeture de Holimel à Princeville. Est-ce que c'était une fermeture qu'on voyait venir? Moi, je l'ai vu venir, en tout cas. En fait, en avril, lorsqu'on annonçait la fermeture de Vallée-Jonction, En fait, je l'avais dit sur X que c'est pas terminé. Là. Je m'attends à d'autres fermetures et on ne savait pas trop quelle usine était pour fermer. Là. Évidemment, il y a Yamachiche, l'Ange Gardien et Princeville. Là, on connaît la réponse, c'est Princeville, malheureusement, là, ce qui est un gros abattoir. Mais c'est ça. Moi, je m'attendais à ça. M'attendais à ça, malheureusement, pour les gens de Princeville. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'industrie du porc là, pour les gens là, qui n'ont peut-être pas suivi la problématique, entre autres, cet été? Bien, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui est plus important à retenir, c'est que les marchés mondiaux veulent moins du porc québécois. Les exportations se sont écroulées. Là. Donc, il y a un surplus de porc au Québec. Il y a trop de production, il y a trop de transformation, finalement. Notamment en Asie, là, en Chine, là, on produit beaucoup plus de porc qu'auparavant. On a vendu notre savoir génétique depuis des années. Puis là, à un moment donné, les Chinois se sont rendus compte qu'ils peuvent faire leur propre porc. Donc, c'est ça. Le Québec produisait environ quoi, 9 millions de porcs par année. Là. La moitié était voie à l'exportation. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, si les gens à l'extérieur du Canada achètent moins de porc du Québec, bien, il y a trop de capacité. Alors, il faut fermer, il faut diminuer notre capacité d'abattage, diminuer notre capacité de production. Et c'est ce qui se passe actuellement. L'autre chose, c'est, à mon avis, au niveau d'Holimel comme tel, on a acheté beaucoup. Hein? Depuis une dizaine d'années, on y allait par acquisition. La croissance était basée sur plusieurs acquisitions, Pinty, F Ménard, Blue Sky dans l'Ouest canadien. On a acheté énormément sans nécessairement se préoccuper de la demande. OK. Est-ce qu'on pourrait explorer de nouveaux marchés? Non? Bien, en fait, pas tout à fait, parce que d'autres pays augmentent leur capacité de production. Alors, à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est se spécialiser. Là. Le Danemark le fait depuis plusieurs années. D'ailleurs, Frédéric, je ne sais pas si tu savais, mais il y a beaucoup de côtes levées qu'on mange au Canada qui proviennent du Danemark malgré notre production porcine. Au Canada. Alors, oui, absolument, parce que ils ont développé une expertise particulière au Danemark. Alors, je pense qu'il y a de quoi là. Peut-être qu'on devrait spécialiser davantage au lieu de tout simplement exporter. Le porc québécois, c'est un très, très bon produit. Le problème, c'est qu'il y a d'autres pays qui commencent à produire davantage. Mm-hmm. Est-ce qu'on a un produit dans lequel on est plus spécialisé par rapport au porc? Au Québec, je peux pas vous dire vraiment. Là, c'est là qui est le problème, à mon avis. Puis pour ce qui est de l'Holimel, c'est plate à dire, mais c'était vraiment un château de cartes. J'ai beaucoup de difficultés à blâmer l'équipe de gestion actuelle. On a acquis énormément et là, aujourd'hui, on se ramasse avec une entreprise qui est trop grosse pour le marché. Donc, il va falloir réajuster l'offre pour répondre à une demande qui, disons, plus fragmentée. Comme tu le dis, là, peut-être se spécialiser dans certains produits, mais je peux pas vraiment dire quels seraient les choix là, chez Holimel. Mais Holimel, tant qu'à moi, Holimel doit survivre. Point. Holimel, vraiment, c'est le point d'ancrage stratégique pour la filière porcine au Québec. Holimel doit survivre. Alors, l'équipe de gestion prend des décisions importantes, mais nécessaires actuellement. Là. On a quand même une pensée pour, c'est quoi, 600 travailleurs de l'usine Holimel de Princeville qui vont perdre leur emploi. Plus Vallée-Jonction à 1000, donc c'est beaucoup de monde. Oui, ouais. Effectivement. Je veux t'entendre sur cette réunion des grandes chaînes, des grandes bannières alimentaires qui va avoir lieu, c'est quoi, c'est lundi à Ottawa avec le ministre Champagne? Je vais être dans la salle avec le ministre Champagne. Tu t'attends à quoi? Que c'est un show de boucan pour dire « oui, on se préoccupe de votre panier d'épicerie » ou il va y avoir des solutions concrètes? Bien, ça fait un mois que je discute avec le ministre Champagne. L'intention, en fait, c'est de comprendre, c'est d'écouter les dirigeants. Les dirigeants vont se présenter. Moi, je vais être là pour écouter les dirigeants aussi.
Écoute, Frédéric, 82 % des consommateurs, les gens qui nous écoutent, croient qu'il y a de l'abus là, actuellement. Alors, Ottawa profite un peu de ça pour amener tout le monde dans la même salle et discuter de l'inflation. Le but premier, c'est de stabiliser l'inflation alimentaire. Le hic, c'est que c'est là où on s'en va déjà. Là. On voit que l'inflation alimentaire diminue de plus en plus. On s'attend à finir l'année à peu près à 5 % et on s'attend à ce que l'écart entre l'inflation et l'inflation alimentaire va arriver à zéro à peu près en mars et avril. Alors, le marché s'occupe du problème. Alors, j'ai hâte de voir vraiment lundi ce que les bannières vont dire. Mais, tu sais, Frédéric, là, il y a 5 entreprises, là, Walmart, Costco, Loblaws, Metro, Sobeys. Ce sont 5 entreprises qui sont quand même assez différentes. Mm-hmm. Donc, ils vont probablement avoir une histoire différente aussi. Là. Bien, ça reste que la concurrence aiderait probablement. Est-ce qu'on va assister à... Parce que là, c'est quoi? Quand il y a des petites épiceries qui veulent faire leur apparition, ces grosses bannières-là s'y opposent ou trouvent un moyen qu'elles ne soient pas viables. Est-ce que ça va changer? Ben oui. Là, actuellement, on menace les bannières d'imposer des taxes si, justement, l'inflation alimentaire n'est pas stabilisée d'ici l'action de grâce ou un peu après. Là. Mais si, admettons, on veut plus de compétition là, et on entend un gouvernement vouloir intervenir avec les prix, est-ce qu'on s'attend à avoir plus d'investissements ou moins d'investissements? Mm-hmm. Moi, je n'investirais pas dans un marché où ce que le gouvernement veut fixer des prix. Là. Mm-hmm. C'est ça qui est le problème là, actuellement. Avec la rhétorique d'Ottawa, c'est ça qui est le problème là, actuellement. Et est-ce qu'on va envoyer toute la faute sur la base de la chaîne, l'approvisionnement, l'emballage, la distribution? Est-ce qu'après, on va se retrouver avec ces acteurs-là à Ottawa? Bien, il y a un paquet de facteurs qui contribuent à l'inflation. Il faut quand même se rappeler que c'est un phénomène mondial. Tout le monde a subi les conséquences de l'inflation alimentaire sur la planète là, depuis à peu près un an et demi. Mais au Canada, malgré un taux d'inflation élevé, c'est probablement le plus bas au sein du G7 après les Américains. Là. Donc, on s'en sort pas si mal. Et comme je te disais plus tôt, là, on s'en va vers un taux d'inflation alimentaire beaucoup moins élevé d'ici les prochains mois. On va l'accueillir avec bonheur. Alors, Sylvain Charlebois, j'imagine qu'on va te reparler souvent cette semaine alors que tu vas être à Ottawa. Oui, absolument. Eh bien, bonne convention, bonne réunion avec les grands géants alimentaires. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.